C'est pas ça. Attends, vas-y. Attends, merde, pardon. On va faire comme ça. C'est drôle quand même. Bonjour à tous, c'est encore moi, Jess. Aujourd'hui, j'ai invité un particulier. Il est mannequin, coach sportif et réalisateur. Ah, c'est une star. J'ai préparé quelques questions pour lui. J'ai hâte de le rencontrer. Tiens, le salut, voilà. Salut les gars. Je te remercie d'être venu jusqu'à Avignon. D'ailleurs, la route, ça a été ? Oui, merci, ça a été. Je voulais dire que c'était un peu loin. Bon, mais... c'est pas grave. Écoute, le plus important, c'est que tu sois là. On peut commencer ? Oui, on peut commencer. Ok. Alors, dis-moi, comment tu as réussi ta vie et comment tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui ? Alors, je commence... Et n'oublie pas, surtout, de nous dire comment tu captures toutes ces belles photos. Franchement, j'adore. Merci beaucoup. Pour les photos, c'est un peu particulier. J'ai entendu que tu fais du sport. La photo. Ça se voit pas trop, hein. C'est parce que j'ai pas mangé ce matin. Bon, j'ai vu ton Instagram, je pensais que tu étais grand. Apparemment, c'est Photoshop. Bon, c'est pas grave, on continue. Qu'est-ce que tu penses de ma combi ? Alors, elle est pas mal ta combi, mais je pense qu'on peut discuter d'autres choses, non ? C'est pour ça que je suis venue ici. Moi, je pense que ma combi est plus intéressante que toutes les interviews. Tu penses pas ? Pas du tout, connasse. Bonjour, les gars. Connard ? Il n'aime pas ma combi. En plus de ça, il n'est même pas capable de répondre aux questions qu'on lui pose. Quel mec ! Enfin bref, si vous voulez savoir où j'ai acheté ma robe, contactez-moi en privé. Ciao. Parce que je te regarde, c'est ça, c'est moi, j'arrête. Je regarde là. Non, c'est vrai. Ok. Tu m'as regardé.